pense que c'est la première fois que je fais la clap. Tabarnak. Non, mais réalisez-vous! Mais là! Faut applaudir après! Ouais. Mais t'as comme un compte. On dirait que t'es prêt à partir, tu vas faire la clap, tu vas te sauver, mon esti. Wow! Hey, j'ai pas mis le. Mais je pense correct à cause de la table, en tout cas. Yeah. Yeah. Il va s'arranger. C'est possible. Yeah! Bon. Ceux qui sont ici le savent. Sur Internet, peut-être qu'il y a des gens qui ont manqué l'épisode de la semaine passée. JF est mort. JF est décédé. Ben non, ben non. Comme Jésus, on a il est de retour. Plus faible que jamais. Écoute, il nous a envoyé une photo dans notre message, dans un de nos 400 messages de groupe. Là. Une photo de lui en petite jaquette à côté d'un signe radiologie pour dire « Finalement, tout est correct. » Le bobo est juste dans la tête. Ouais. He's fine! Là, c'est sûr que la photo est là en ce moment. Ah, ouais, mais t'en avant de moi en ce moment. Je suis comme. 100% de JF. Toujours touchant. Toujours touchant. 100% du temps. 100%. Mais c'est cool, en même temps, c'est comme s'il y avait eu un petit rôle dans Stat. Oui! C'est juste ça! Il y a eu une journée de tournage dans moi, Stat. Moi, je pense qu'il devrait envoyer ça comme nouvelle photo du bottin de l'UDA. Oui, c'est ta chance. Ben oui. Non, mais sans joke, là, pourquoi ils font pas ça quand les comédiens sont malades? Ben oui, allez les filmer pendant ce temps-là. Amenez-les sur le plateau de Stat. Ben ouais, ils tournent tous les jours de 9 à 5 et ça à l'année longue. Puis soignez-les là. Il y aura peut-être plus de budget. Ben, en dehors, puis ils passeraient plus vite. Puis comme ils ont pas vraiment des vrais problèmes, ben, c'est correct que ce soit des gens de la télé qui s'en occupent, là. Ça désengorgerait le système. Yes. C'est qui laisse en estime. Je suis arrivé direct de dehors et j'ai mon manteau. Ben oui, c'est comme pas de mon sens. On dirait que tu allais faire la clap après ça, partir Saint-Willy en moto, mon chum. Ouais. Non. Et là, je suis venu en Indian. Sorry. C'est parce que je suis allé fumer. Puis là, ben oui. C'est pas encore l'été. Fait qu'il faut fumer avec un manteau. C'est ça. Hey, ça va bien la température. Avez-vous remarqué ça? Ça c'est stable au max! C'est stable! Il y a deux semaines, ah ouais. Il pleuvait de la glace. La semaine passée, Beach Club. Cette semaine, on est de retour. Non, mais c'est pas inquiétant. Moi, là, j'en parle plus de ça. Ça me dérange plus. Sais-tu quoi? Ça va. C'est au-dessus de moi, ça. J'aime ça. Hey, le dernier qui parlait de même, c'était JF. Tu vois, il est plus là. Là, juste... Fais attention, là. Avec le cool macaroon, c'est dangereux. Non, mais je trouve ça fou parce que dernièrement, j'ai écouté un podcast. J'écoute plein de podcasts, moi, en faisant d'autres choses. Là. C'est toi, ça? C'est moi, ça. Ouais, puis j'écoute plein de podcasts documentaires ou genre whatever. Là. Puis là, j'ai écouté un truc, je pense, ça s'appelait Burning Wild. Puis c'était à propos des groupes environnementaux des années 90, genre, je pense, c'était comment que ça s'appelait? Le Front de libération de la nature, je pense, mais en anglais. En tout cas, eux autres, ils ont fait de l'éco-terrorisme, là. Ça a marché. Mais c'était intéressant, parce qu'ils parlaient de tous ces gens qui ont été en prison pour avoir crissé en feu une usine. Il y a personne qui est mort, mais l'usine a brûlé. Puis, ils ont été en prison super longtemps. Puis, c'est là que les autorités et les policiers ont tagué un peu le mot éco-terrorisme. Éco-terrorisme, quand tu y penses, pense-y, là, une seconde. Mettons, je te dis éco-terrorisme. Toi, est-ce que tu penses à quatre personnes qui essayent de sauver l'océan ou les gens qui chient dedans? Avec du pétrole, mettons. C'est quoi l'éco-terroriste? C'est de détruire la forêt ou de s'attacher à un arbre? Tu sais, parce que ça, c'est des mots, puis ça veut comme rien dire. On les associe à des idées, puis ils nous ont fait une belle job de... Ça n'existe pas, l'éco-terrorisme. L'éco-terrorisme, c'est les compagnies. Ben oui, l'éco-terrorisme, c'est dans le fond la fonderie Horn. Là, exactement, c'est ça, l'éco-terrorisme. C'est l'éco-terrorisme. C'est rarement des personnes avec un hoodie noir. C'est là, ça. Pas assez de reach. Puis, ils ont donné des peines exemplaires à ces gens-là. Il y en a qui ont fait beaucoup de prison là-dedans pour des actions qui n'étaient pas toujours pacifiques, dans le sens que brûler une usine, c'est pas pacifique, mettons. Mais ils n'ont pas tué personne. Puis là, en tout cas, ils jasaient avec ces gens-là, puis ils leur demandaient leur perspective. Il y en a qui ont changé d'idée depuis. Il y en a qui ont été aussi complètement traumatisés là, par le système après. Il y en a qui sont riches, puis. Mais il y en a un qui disait, tu sais, je leur ferais pas parce que plein d'affaires, tous les problèmes que ça m'a causé, mais honnêtement, je reste quand même avec le feeling que dans 100 ans, j'ai raison.
Ouais, c'est ça. Puis j'ai quand même ce feeling-là, moi aussi, que je sais pas pourquoi je suis comme pas capable de faire « Ah, oh, t'aurais pas dû brûler l'usine. » Non, mais non plus, on dirait que c'est pas... Genre, je comprends, là, mais en même temps, non. Je suis désolé, je suis d'accord que c'était la chose juste à faire. Qu'en ce moment, d'être super disruptif du système qui détruit toute notre planète, c'est la chose moralement juste à faire. C'est la seule affaire, en fait, que tu pourrais faire pour dormir. Mais tu pourrais ruiner ta vie avec ça. Tu pourrais ruiner ta vie. Tu pourrais aller en prison 25 ans. Tu pourrais... Parce que ça, ça ruine. Il y a du monde. Combien de temps sont allés en prison, le gars, tu parles? Combien de temps? Mais ils ont pogné des peines de genre 25 ans. Tabarnak! Je pense pas. Ils l'ont pas toutes faites, je pense. Mais tu sais, il y en a qui ont fait 10 ans. Non, mais c'est pas rendu là, tu fais, c'est ça. Tu fais pas loin d'une dizaine d'années, peu importe. Ça, by the way, c'est plus que genre du monde qui se font pogner avec la porno juvénile chez eux. Puis, ouais. En passant. Ouais, mais là, c'était juste des films, ils ont pas touché. OK, ouais, OK. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est drôle quand même comment on punit dans une échelle un ouais, peu. Non, comme pas... là, ils voulaient quand que ça soit... Quand on met ça ensemble, c'est vraiment pas... ça a l'air assez niaiseux, là. Surtout que dans le temps qu'on arrêtait, il y a pas longtemps, du monde qui vendait une 5 de potes au coin de la rue ou qui en avait une... Oui, par rapport à comment qu'on le fait plus en si peu de laps de temps, tu te demandes, y avait-tu des policiers, genre... 24 heures avant la légalisation de l'homosexualité qui est encore en train de tabasser du monde en se disant « C'est à minuit que ça arrête, là! » Genre, comme si tu de même que... Je te dirais même qu'ils l'ont fait après. Probablement. Non! Oui, fort probablement. Mais quand même, mais c'est des questions morales intéressantes. Des fois, où je me demande... Tu sais, c'est trop... C'est comme difficile, on dirait, d'être en accord avec soi-même dans ses actions. Parce que si je m'écoutais, je serais probablement un éco-terroriste. Puis en même temps, j'ai pas envie d'aller en prison pendant 20 ans. T'as-tu le goût de monter d'un pont? J'ai un peu le vertige quand même. Je serais pas seul là, moi. Tu sais, mettons, un matin bleu, tu vas être là pour l'heure de pointe, fait que tu te lèves à 4h, 3h du matin, gear up, monte sur le pont pendant qu'il pleut. T'es comme, bon, ben... Là, tout le monde t'haït. Mais ça me dérange pas que tout le monde m'haïsse. Non, ça. Je sais, mais moi comment aussi, je les haïs toutes, là... C'est vraiment... ça va des deux bords. C'est une conversation, là. Oui. Mais là, il y a une confrontation dans la conversation, là. Mais je pense qu'il faut être disruptif, parce que là, tu remarques quand même que les actions des gens sont de plus en plus pacifiques avec le temps. T'sais, honnêtement, il y a 100 ans, là, la laitue à 8$, ça n'aurait pas passé. Il y a 2-3 maisons, là, de métro, mon profession épicier qui aurait brûlé, puis aurait fait « OK, excusez! » C'est ça. Pour vrai, c'était ça, là. Les syndicats, tu penses, au début, c'était juste « Bonjour, on a des demandes. » C'est comme « Non, on a tiré sur le patron. » Il y a quelques patrons qui ont brûlé. Mais non, mais 100%, c'est de même que les choses changent. Puis personne n'est pour la violence. Mais à un moment donné, quand t'en subis plein, c'est la seule façon de t'en sortir. Là, on dirait qu'on s'est tous convaincus qu'il fallait que tout soit pacifique, puis je me demande encore une fois, comme là-dedans, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, j'ai pas envie d'être violent, mais d'un autre côté, s'il vous plaît, fonctionne pas, là. Mais tu sais, tout pacifique, whatever, mais Metro hausse ses profits de 10,4% à 218,8 millions. Mettons, ça, c'est Metro. Mettons. Fait que là, mettons, on se fâche, là. Mettons, il y a des gens qui ont fait, hey, là, les premières lignes, là, les gens qui travaillent là-bas pendant la pandémie. Ils ont donné 2$ de plus, ça c'est fini, ils l'ont enlevé. Puis après, t'as les PDG qui ont su comme des supra-bonus, puis eux autres nous parlent de ça. Mais ça, c'est correct, là. Ça, c'est juste pas violent. Juste, on fait « Hey, c'est pas correct ». Ouais. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est un peu juste ça que ça fait, là, quand même. Mais genre, j'ai pas le choix moi-même d'avouer que... Mais c'est pas, je sais pas où me positionner là-dedans. Je me pose la question de qu'est-ce qu'on est censé faire. Parce que clairement, comme je te dis, les manifestations changent. C'est beau, là, puis des fois, ça fait du bien, là, de tout le monde. Mais ça, ça fait rien. On dirait, pour avancer un truc, il faudrait au moins qu'il y ait la manif dans le métro et que, tu sais, ça en même temps, beaucoup, un peu. Mais regarde, même en France, ils brûlent tout. Je veux dire, ils pètent tout. Mais c'est pas la première fois non plus. Il y avait ça avec les gilets. Ils ont pas ce qu'ils veulent non plus, là, tu sais. Ils ont pas encore, en tout cas, est-ce qu'ils vont l'avoir. Mais ceci dit, par exemple, Chris, que bravo les Français de ça. Des fois. Est-ce que ça, les Québécois, là, on est. Pissou de tout, là. Vraiment, là, tu vois, là, cette semaine, je n'ai parlé tantôt en plus, mais là, vous avez vu, là, les patrons qui trouvent, là, ça, là 14 ans, l'âge minimum pour travailler, ils trouvent qu'ils... C'est pas, là, wow, OK, on comprend, mais peut-tu avoir plus de possibilités pour plus jeunes? Hé, hey, tabarnak, ils veulent vos enfants pour faire plus de cash, puis tout le monde est comme, mais je sais pas, là... Chris, réveillez, je sais pas, là, allô? Ou à quel point vous voulez... Tout le monde sent Chris, comme, c'est pas grave! Ils veulent le travail de vos enfants de 12 ans. Ils sont riches, ce monde-là. C'est des patrons.
comme what the fuck, puis personne n'est fâché de ça. Ils jasent de ça en gens qui font 300 000 et plus par année. À quel point vous voulez pas vos enfants à la maison? Ouais, à quel point? Chris d'hostie, là! Je trouve ça... Je trouve les enfants, c'est pas supposé être la barrière en plus, comme l'espèce de barrière. Nos enfants, en fait, c'est important. Pense juste, historiquement, on n'a jamais vécu aussi vieux dans un sens, logiquement. Fait que je veux dire, l'enfance pourrait durer bien plus longtemps. On n'est plus en 1910 que... Tu meurs à je sais pas quoi, mais comme il faut que tu travailles aussitôt que t'as 7 ans sur la ferme ou voilà. Tu sais, il y a plus. C'est lousse, là. Chris, il y a des papas yo. Tu sais, on est plus. C'est plus. C'est ça, là. Il y a comme une possibilité. Mais tu vois, c'est drôle parce que je comprends pas pourquoi qu'on insiste pour descendre cet âge-là quand, dans le fond, on a du temps en masse. Quand même, là. Non, mais ça, c'est des gains qui ont été faits, justement, dans les années 1900, mettons, des syndicats, plus d'enfants dans les usines, tout ça. Ça, c'est des gains des woke de 1910. Puis là, on me parle du passé, puis de maintenant, ça n'a plus de bon sens. On laisse tranquillement toutes ces lois-là redescendre. Là, bientôt, les enfants de 9 ans vont pouvoir travailler parce que qui n'a jamais rêvé, Calis, de vendre des souliers inépais le vendredi soir à 9 ans? Hein? T'avais pas le goût, toi? Ouais, mais qui peut plus répondre à la demande qu'un enfant de 9 ans le vendredi? Les autres sont dans des bars. C'est vrai, hein? Les adultes sont fatigués, ils sont le lendemain de jeudredi. Mais... Là, c'est vendredi. Oh. Parce que tout le monde est comme TGIF, là. Thank God it's Friday. I've done nothing all week. I'm bored to death. I can drink myself to sleep. Fait que là, faut que nos enfants y aient travaillé pendant ce temps-là. Moi, j'en ai pas d'enfants, je m'en calisse, mais je veux dire, je trouve ça indécent. Puis ils parlent de ça dans les grands médias comme si c'était super normal. Il y a un débat, c'est sain. Nous, on pense, les enfants de 9 ans, oui. Eux, ils disent non. Qui a raison? On le sait pas. Paul Larocque. Voyons, tabarnak! Chris! Hey, il y a du monde qui sont morts pour bien moins que ça, là. Je sais pas si tu le sais, là. Mais là, on dirait que tout le monde est apathique, là. Genre... Autre exemple, aussi, là, de ça. Il y a deux semaines, là, il a neigé de la glace. Là, c'était super, OK? Mercredi soir, il neige de la glace, les arbres tombent dans ma rue, OK? Comme partout, si vous êtes à Montréal, tous les arbres sont tombés. Moi, le mercredi soir, là, c'est le soir du tabarnak de recyclage sur ma rue. Le monde, ils sortaient leur recyclage. Les branches tombent! Qu'est-ce que tu fais? La rue est barrée, il y a un arbre dans la rue, puis ils sont comme allô, allô, hey, wake up, si tu vois-tu autour de toi? On dirait que le monde sont pognés dans leurs oreilles. Demain c'est le gym, après ça je m'en vais. Hey, tout est en feu. Ben oui, mais là c'est le recyclage, qu'est-ce que je fais? Hey, tabarnak! Je capotais. Il était là avec des branches qui tombent, des petites madames puis des petits monsieur. J'étais comme, il y en a un qui va mourir. Il y en a un qui va se faire assommer. Il s'en va pas. Voyons. Chris, la ville est bombardée. Yeah. C'est à quelle heure, les gros meubles? Cet après-midi-là. Oui. Je sais pas, là. C'est quand que je peux jeter ma laveuse? Je comprends pas. Hey, ma laveuse, là, dans le portier. Cet après-midi-là, je suis allé porter le disque dur à Julien. Salut, Julien. C'est sa fête. Bonne fête, Julien! Na 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 na. Non, c'est pas ça. Non, mais en même temps, l'émotion était là. Ça, c'était là, mais... Là, je revenais en charge, j'écoutais Radio-Canada pour une nouvelle. Il faisait, là, la police nous a appelés pour nous dire, arrêtez d'appeler au 911 pour dire qu'il y a des branches dans la rue. Allô? Allô? J'étais du bon de la police! Mais oui, voyons! Chris, what the fuck? Chris, vous êtes bien pas autonome! Y a-tu quelqu'un en dessous des branches, non? Ben, rappelle pas, ouais. Puis là, après, t'as l'animatrice des nouvelles qui fait... Ils nous disent, en fait, que ce qui est le plus rapide à répondre, c'est les assurances. On y arrivera jamais. Non, c'est ça. Le monde est brisé. Le monde, là, il est brûlé. C'est comme un vieux pâté chinois dans le fond du plat, là. Sec, sec. Ça partira pas. On cherche les maïs. On cherche les maïs. Hey, comme pis, sais-tu quoi? J'ai écouté un autre podcast. Hey, arrête ça! Je le sais, je capote! Non, mais c'est parce que j'ai déjà parlé de ça en plus. J'ai écouté un autre podcast de ben, c'est un genre de true crime. Là. C'est un gars anglais, je pense. Il cherche ils ont retrouvé un corps dans les années 90, Saint-Nil, au large de l'Allemagne, genre. Pis, j'arrive tout le temps! Puis ils savent pas c'est qui ce gars-là. Puis là, lui, il a juste fait. Moi, essayé de le trouver. Puis là, ce qui est drôle, c'est que dans son enquête, je suis rendu à l'épisode 3, en cherchant puis en checkant, il a résolu deux autres. Pas celui qu'il cherchait, là, mais deux autres. Puis là, je me dis, attends une minute, là. C'est quoi qu'ils font, la police, le calice?
Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, là? Si un gars avec un podcast peut juste faire 4-5 appels, checker à l'eau, hein? Il y avait comme un compte, OK? On va checker. Ben oui, c'est ah lui, la famille, il est super content, ça fait 50 ans qu'il attend. Qu'est-ce que vous faites, la police? Yeah. The fuck? Fait que là, c'est-tu quoi? J'ai une idée, moi. Moi, là, si t'es un journaliste, là, pis que tu m'écoutes, là, on se fait ça un podcast, pis on trouve quelqu'un pour prouver que la police, ça n'a pas rapport pantoute. Comment? Toi pis moi, une saison, on trouve quelqu'un. Je vais le faire, là. Fais-le, moi, j'en ai pas. Ça va, il Pat l'agacé. Viens-t'en, Pat! Laisse faire Marina, viens-t'en! Viens-t'en! Mais je trouve. C'est vraiment une constante. À chaque fois que j'écoute un documentaire de True Crime, l'enquête de police, c'est n'importe quoi. Genre, ils ont rien noté, ils ont le mauvais nom, ils ont pas parlé à madame qui a vu le crime. C'est les plus, attends! Mais comme qu'est-ce que tu fais? On suit quelqu'un, là, je me rappelle pas de son nom, sur Facebook, qui est à toutes les audiences de police. Et Alexandre Popovitch. Exactement. Mmh. Puis. Genre, c'est compte-rendu, tout ça, c'est les gens les moins gênés au monde d'arriver devant la loi. Puis rien savoir. Ils ont tellement pas peur que c'est « dumb shit as fuck » ce qu'ils disent. Puis ils ont raison de pas avoir peur parce que la plupart du temps, ça se rend pas. Mais en même temps, je trouve que t'étais de mauvaise foi. T'es comme « où est-ce qu'elle est la police? » Où est-ce qu'elle est? Moi, te le dire. Où est-ce qu'elle est? Il est en train de démanteler un réseau de contrebande de tabac à chicha. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, attends! Je suis sûr que tout le monde ici est plus safe depuis ouais. qu'on n'a pas accès me à du tabac mieux. Mou à l'orange de quelqu'un qui n'a pas payé ses hosties. Ouais, wow, un instant! Yeah. Là, c'est mal, on veut juste du tabac homologué Québec, soit au citron, à banane, m'en calisse. Mais pas de chicha illégal. Les fans de chicha, vous êtes en sécurité. Ils étaient tous là-dessus, puis tu le sais que toute cette équipe de police-là fume ce tabac-là de chicha. Probablement à ce moment, oui. Raison, ils ont comme, ils ont probablement c'est juste. Tant mieux, en même temps, c'est tout ce qu'ils méritent de fumer du tabac chicha. It's not delicious. C'est un drôle de jugement, ça. Mais non, mais en tout cas, moi, pour vrai, je le ferais, le podcast. Je le ferais, je suis sûr que moi, je peux trouver... Genre une affaire du monde disparu depuis 30 ans, il dit ça, jamais résolu, on sait que c'est un grand mystère. Trois jours, Resti. Je te dis. Trois jours, je l'ai. C'est vrai que t'as plus le profil de personne qui a moins peur de parler que tous les journalistes de la presse, mettons. Tu sais, je le sais pas, j'ai l'impression que t'as comme pas grand chose à perdre. Non, effectivement. Enlève-moi les, mon 4,5, ouais. Il est même pas à toi. Il est pas à moi. Il est pas à lui. Jokes on you. Yeah. Oh non. Et ça, ça peut être pour certains un avantage, et pour d'autres, ça peut être vraiment impossible. Pour moi, on a déjà parlé de ça, le biais bourgeois des médias. Là. C'est ça qu'ils ont, eux autres. C'est quelque chose à perdre, c'est de l'argent, c'est aussi un statut à défendre, puis une société qui fonctionne pour eux. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas se crisser dans le feu pour toi, et boum, on va me crisser dans le feu pour vous autres, parce que je suis déjà là! Mais c'est vrai que t'as pas ce, tu sais, à chaque fois qu'on écoute la radio dans le champ, t'entends Gérald Filion qui est comme, tu sais, le babyface de 50 ans. Le babyface! Le comptable de comme 12 ans, mais qui a comme, en tout cas, whatever. Ça m'a fait rire quand même de penser à Gérald Filion. Il y a toujours un moment qui fait, ben écoutez, c'est ça. Donc le Nasdaq, 10,2, mais l'inflation, c'est 5,4. Mais avant, ça veut pas dire que l'inflation a diminué, que ça diminue les prix-là. Et finalement, c'est 12,2. Alors on a fait une clôture de 4 et 7. Puis on attend de voir la banque, qu'est-ce qu'ils vont faire en mai? T'es comme, tu peux pas dire ça sérieusement, pour vrai. Ça, tu t'adresses, il y a 99,8% du monde qui est clouless face à l'information que tu viens de donner. Avec raison, c'est comme... Pour vrai, c'est plus clair Magic. Oui. En tout cas, ça donne bien plus... Le j'aimerais bien plus là-dedans. Des nouvelles de Magic à la radio, oui, en plus. Si. Voyons donc, tu sais, à la place de ça, justement, il y a une nouvelle carte, plus 4 endurance, 2-2. Non, mais... C'est le... Ah! Woke. C'est un woke. Un woke. Un woke. M'a traité de Duplessis. Et il y a des gens qui ont demandé c'est quoi un woke? On est woke! On veut tout réveiller, on veut que personne ait fait, on est woke. J'aime mieux être un Duplessis que d'être un woke. On veut tout réveiller, on veut que personne ait fait, on est woke. On est fucking woke. C'est un woke.
Pour moi, c'est un woke. C'est quelqu'un qui veut nous faire sentir coupable de défendre la nation québécoise, de défendre ses valeurs. On est woke! On fait tout mon éveil, on veut personne à éveil, on est woke! J'aime mieux être un dyslexique que d'être un woke. On fait tout mon éveil, on veut personne à éveil, on est woke! On est fucking woke! Je suis un Duplessis, donc c'est pour ça que je l'ai appelé woke. Ils sont multiculturalistes. Ils veulent que toutes les cultures soient égales. Fait que là, je veux dire... Woke! On veut tout mon éveil, woke! J'aime mieux être un Duplessis que d'être un woke. Je suis un Duplessis, donc c'est pour ça que je l'ai appelé woke.
Vous voulez jouer à Magic? Hey, man! Le pire, c'est que ça, j'y ai pensé, mais j'ai joué en 2 heures! C'était plus possible, là! Voyons donc! Bon! Aïe, aïe! Yeah. Il survive! I survive! I will survive! Ouais, en même temps, il y a peut-être la COVID, il revient de l'hôpital! C'est vrai! Ouais, 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 ça se peut, ça se peut. Bon, ben là, c'est à mon tour de prendre congé. Bye, tout le monde! All right! Qu'est-ce qui se passe? Wow, wow, wow! Aïe, aïe, aïe! Ben oui! C'est qui se passe? T'as-tu encore ta jaquette en dessous? Non, 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 okay, mais okay, regarde! T'as encore ton tape! Il y a son tape! J'ai encore mon tape! Oh! Bon, là, Jean-François, comment ça va? Oui! Ça, finalement, ça va bien! Yes! 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 Ils ont fait une batterie de test pour te placer sur l'échelle. Ouais, j'ai de l'anxiété, hein, finalement, c'est ça qui se passe. C'est ça qu'on t'a dit? Non, mais c'était très sous-entendu. Non, non, ouais. À un moment donné, j'étais comme, faudrait peut-être que j'y dise. Mais je pense, je le savais comme en y allant un peu. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, je le savais que c'était tout pas vrai comme que c'était dans ma tête. Mais tu te sentais vraiment pas bien. Mais t'as besoin que ça soit rectifié. Mais qu'est-ce que tu sentais? Comment tu te sentais aujourd'hui? Ah, ben j'avais des symptômes d'ACV. Le visage? J'avais des ouais, des le visage, est-il affaissé? Les non, bras, êtes-vous capable de les lever? La parole? Mais à un moment donné, ils m'ont fait un test de genre 20 minutes, justement, mets tes bras de même, pousse, fais ça de même, marche, touche ton nez. T'es sûr ils t'ont pas fait juste laver les toilettes parce qu'il n'y a plus de personnel? On va faire un test, poigne la brosse, en avant, en arrière, en avant, il y avait un test, là, c'était juste comme... La mop, mettons, la mop, la mop, la mop, c'est bon, ouais, c'est l'avez. Comme dans Karate Kid, non, là, bon, là. Donne-moi ton pouce, OK? Puis c'était comme, genre, ferme tes yeux, puis là, faut que tu me dises s'il est en haut ou en bas. Mais il est en bas. D'en haut. Puis là, ils ont fait ça pour les 2 pouces. T'étais-tu mêlé? Puis après ça, ils ont fait ça pour les 2 gros orteils. Puis là, j'étais comme... Aïe, aïe! OK, mais ça, c'est genre des dizaines d'années d'études supérieures. Là. Oui, c'est ça, là. Oui. Puis il y avait des questions pièges. Parce que souvent, c'était comme en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en bas. Ah, des feintes! Oui! Des feintes! J'étais juste comme... Là, je me sentais vraiment ridicule. Puis j'étais comme... Aïe, je suis vraiment crissement pas en train de faire un ACV. Là. Non, mais t'as besoin quand même tout autant de ce test-là. Parce que, oui, non. Ben oui, à ce moment-là, oui, parce que ça t'a rassuré, là. Après, quelqu'un oui, t'a dit, mais ça va. J'ai ri de moi un peu, j'ai fait comme, aïe, aïe, tu sais, genre... Ouais, mais ont-tu été fin, ont-tu été fin que toi? Super fin, puis comme... Ils connaissaient Croque des cocombes, tout. C'est-tu quoi? Monsieur Poel, c'est toi? C'est toi? Le, parce que j'ai passé un affaire d'un électrocardio... un scan de la tête, là. Ouais. OK. Puis le gars qui m'a fait le scan... T'es rentré dans... Je suis rentré dans la patente, ouais. Puis là, il m'a vu, puis il a dit, est-ce que tu veux le traitement vedette ou tu veux le traitement comme tout le monde? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, je vais prendre le traitement comme tout le monde. Il a dit, c'est ça que je t'aurais donné quand même. Wow! Hey, on l'invite! On l'invite! On l'invite! Puis là, lui, il était français, puis il a dit, j'ai envoyé ton vidéo, j'ai faim plus qu'Alain à mon oncle Alain, là, en France, là, parce qu'ils sont appelés Alain, là, tout ça. Puis j'étais comme, ah oui, ah oui, ah oui! C'est ça. Fait que, ouais. Je veux juste dire, il vous reste 2 jours à vivre, mais c'était tellement beau. Alain, c'était bon, Alain, croque des cocons, on a ri. Bon, c'est ça, le cancer, pas cool. Mais... Vous avez capoté plus qu'Alain aussi, à ce que je peux voir dans votre dossier. Là. Mais c'est spécial parce que, tu sais, quand tu scannes la tête de même, ça goûte. À un moment donné, quand t'arrives à ton nez... Le métal. Ça goûte le métal, c'est fucked up. Ça fait goûter le métal. Ouais, ça fait comme, genre, tu goûtes comme, tu sais, comme le boudin ou le sang. Oui, le c'est sang. C'est féreux. Féreux. Quand je bois du sang, c'est féreux. Ben, ah ben ouais. Dans le boudin. Dans les nuits de pleine lune. Ah ouais. Oh, the guy. Ouais, fait que là, ça a goûté le sang, tout ça. Fait que là, moi, j'ai passé dans radiation. Ah oui, c'est ça, t'es irradiated. Très disco. Très disco, mais ben t'as oui, une c'est journée quoi, très disco. Très disco. Très disco. Fait que là, c'est ça, tu sentais juste pas bien, mais je veux dire, ça t'arrive quand même souvent des petites paniques, des petites affaires. Qu'est-ce qui a fait que celle-là était pire, mettons, dans le sens, dans tes symptômes? Ben, c'est que là, je croyais vraiment, parce que j'avais des symptômes comme « réels », entre guillemets. T'étais vraiment de malaise physique. Ben, je me sentais vraiment étourdi, puis vraiment pas bien. Tu sais, là, j'étais comme « voyons, comment, qu'est-ce qui se passe, esti? » Puis, j'ai pas pu parler avec personne non plus, parce que ma blonde, elle était là le matin, elle avait une réunion dans son bureau, puis là, quand je suis revenu de la promener Chachou, elle était plus là. Puis là, j'avais comme besoin d'en parler, mais là, il était plus là. Puis là, j'ai comme spiné toute la journée. Puis à un moment donné, je t'en ai parlé. Je l'ai appelé genre à 2h30. J'ai fait là, faut que je parle à quelqu'un parce que je pense qu'il va falloir qu'on aille à l'hôpital. Puis là, elle était comme OK. Puis là, elle est venue pour comme me reconduire à l'hôpital. Chachou, comment elle était dans tout ça?
Ben en fait, elle s'en rendait-tu compte? T'étais pas la bien? Femme, la, parce qu'on a une femme de ménage qui vient chez nous faire le ménage, puis là, je me sentais pas bien. Comme, je voulais pas discuter de ça avec elle, tu sais. C'est vrai que c'était beaucoup de charge mentale pour... Ben, je pensais comme, tu sais, genre, hey Martine, genre, ouais, c'est ça. Je pense que je suis en train de mourir. C'est ça, tu sais. Puis elle est super fine, puis j'y jase tout le temps, puis comme c'est super le fun quand elle est là, puis tu sais, elle est full comme amie avec Chachou, puis tout. Mais là, aujourd'hui, dans la balayeuse, ça faisait genre... Puis là, Chachou était comme... Là, j'étais pas capable de dealer ça un peu, puis j'étais comme un peu genre pas bien dans ma tête. Ah ouais, ces genres de sons-là, ça peut vraiment déraper genre une mauvaise situation, pour vrai. Mais c'est parce que c'était compliqué, tu sais, comme on dirait tout expliqué, c'était rendu, c'était un fardeau, c'était lourd. J'étais pas bien, puis là j'ai appelé ma blonde, puis là elle a vraiment été full. Écoute, elle a arrêté de travailler, puis elle est venue me reconduire à l'hôpital, puis elle est restée avec moi. Sérieux, she's a keeper. Oui, she's, ben, a, oui. She's a keeper. Oui, oui. Oh, oui. Wow. Ben oui. Genre... C'est beau, ça. C'est ah beau, non, puis comme elle savait là, que tout ça, c'était tout dans ma tête, là. Ben oui. Ben, mais en même nous temps... aussi, hein. Ben oui. Ben oui. Non, mais tu sais... Oui, mais pis... ça fait une journée après-midi. Non, mais c'est pareil. Ça. Tu sais, on s'est parlé du autre après-midi, j'étais juste que quand tu m'as écrit, puis là, j'étais comme... Fait que je l'appelle, je dis, ouais, Jeff sera pas là, finalement, il était comme, pourquoi? J'étais comme, ben là, mais je sais pas, il vient de me dire que finalement, il s'en va pas mieux, il s'en va à l'hôpital. Là, j'étais comme, le gars, en même temps... C'est JF. Mais... Fait que 9,7 chances sur 10 ouais. qu'il s'en va à l'hôpital, pas parce que c'est super grave, mais parce que... Mais qu'il y va, puis il y a... C'est ça, non, mais parce que t'as besoin pareil, mais, ouais. Mais on... Fait que c'est ça, mais il y a toujours la petite chance que... Il se passe de quoi pareil? Tu peux pas on peut pas commencer à faire ah, Jeff, il est pas bien. Non, mais non. Mais là, tu vois, c'est genre la troisième fois que je fais ça. Là. Aller à l'hôpital? Te rendre jusqu'à l'hôpital? Ouais, pour me rendre compte que finalement, mon problème, ma maladie, c'était l'anxiété. Ben oui, mais. Fait que là, t'es pas la première personne qui va plusieurs fois à l'hôpital pour le même. Mais je me sentais tellement mal d'engorger le système avec ça. Ben oui, mais. C'est pour ça que je voulais comme pas y aller. Mais en même temps, c'est quoi, justement, c'est quoi sur la table les autres ressources possibles pour une journée qui ne va pas du tout où t'es seul pogné dans ça? Il y en a comme. Les casinos! Oh, ouais! Oh, yeah! Yes! 3-4 shooters! Une oh mon dieu, tu parlais des casinos. Un hommage à Elton John. Moi, je suis allé au casino dernièrement. T'es ça le problème, là? C'est sûr, ça. Non, mais je parlais jouer au casino, là. T'as-tu joué un peu pareil? Non. Zéro dollar. Fait que t'es juste allé pour le kick. Non, il y avait une affaire de Twitcher. Je participais à une affaire. Un événement Twitch. Un événement Twitch, là, un casino. Genre de meet-up. Oui, le meet-up au casino. Ben, c'est-tu le fun, se rencontrer au casino? Oui. Moi, c'est une place, souvent, je dis, on se rencontre-tu là? T'sais? Mais. C'est une place où tellement de gens ont perdu d'argent. On hey, puis après, on est sur l'île Sainte-Hélène. Fait que si on va aller, c'est tellement beau. C'était wack parce que, comme j'ai comme dit à quelqu'un, genre, hey, c'est bizarre hein, le casino, tu sais. Regarde autour de toi, y a-tu quelqu'un qui sourit? Puis la réponse était non. Non, personne, et tout le monde est le même, genre. Puis là, il a dit, ouais, puis tu sais, c'est rushant, tous les bruits, la musique. La lumière. À un moment donné, comme pour me reposer, j'étais allé aux toilettes, puis il y avait quelqu'un qui pleurait. Puis là, t'es comme... Ça, c'est le casino pour moi. Mais c'est ça, le casino. C'était ça, le casino. C'est déjà, c'était triste d'aller te reposer aux toilettes. Ça, juste c'est ça. Hey, je vais aller me reposer aux toilettes. Hey, imagine... C'est-tu qu'est-ce qui me ferait du bien? Les toilettes. Imagine si c'était ça qu'avait filmé Martin Scorsese. Ouais. Casino. Mais c'est vrai que c'est Saint-Bruno. Hey, man, pour vrai, ça... C'est pas une place où tu te dis, ah, je vais aller passer une belle soirée amusante. C'est plus un endroit que tu vas parce que t'as un problème. Ben oui. Puis tu le mets sous le couvert de l'activité, là. Tu sais, j'en ai vu bien des gens, on en a vu une couple, là, des gens avec qui on se tenait, qui étaient comme, non, mais là, on a planifié notre quatrième voyage à Vegas cette année. Puis là, tu fais. Puis nous autres, on a un truc, c'est juste 300 par soir, puis si on gagne, on met à moitié de côté. Attends, puis là, par contre, Vegas, par exemple, Vegas, c'est juste comme... Non, mais c'était surtout pour aller jouer. Oui, mais moi, mettons, je suis allé beaucoup, là, puis c'est... Moi, ce que je trouve le fun là-bas, c'est juste l'absurdité de tout ça. Tu sais, c'est comme aller au centre d'achat que tu fais comme, ah, yo, ça finit pas par passer après quelques fois. C'est comme aller au 10 030. C'est comme aller au 10 030. C'est oui, 10 300. Tu sais, comme ce qui est le fun, c'est qu'il y a des activités pareilles. Tu sais, à Las Vegas, il y a des shows, il y a toutes sortes. Tu sais, je joue pas au casino là, à Las Vegas. Ben, au moins, t'as ça, t'as cette barrière-là qui fait que tu vas pas jouer. Mais je trouve ça étrange. Je suis dans un désert. Juste là, tu fais non. Après ça, c'est. Mais toi, t'as la personnalité, bizarre. Genre, je vais en Suisse avec Paul Amarani, là. T'sais, tu peux comme tout un faire, genre pour rien, puis on comprend pas pourquoi, mais ah ben, je suis un bateau de pêche, j'étais pas pêché. T'sais, genre, puis tout ça marche, mais toi, t'as vraiment. Genre, yes. T'es le seul des trois ici qui a le plus de chances de pêcher l'espadon avec quelqu'un connu, mettons. C'est ça. Tom Cruise, mettons. Ouais. Ben, Chris, t'es le plus proche pareil. T'es le plus proche.
Okay. T'es le plus proche d'être dans Star Wars aussi. Oui, c'est ben vrai. Oui, je suis proche d'être dans Star Wars. C'est ça. Puis là, ben, en tout cas, mais on est tellement content de te revoir, Jay. Je pensais pas te revoir ce soir. Moi non plus. Moi, j'étais parti tout à l'heure, j'ai ramassé l'UDA. Ah oui, t'as ramassé l'UDA. Hey, on a donné des numéros d'UDA. Ah, ouais. Les numéros de téléphone. Doxé du monde. Doxé. Tout ça. Lorraine Pintal! Oh non. Son nom, je savais que ça allait virer. Non, mais on s'est dit, il est pas là, on va en profiter. Là, t'arrives, je me sens un peu mal, je me dis... Non, mais vous pouvez continuer, puis gars, moi, je peux juste comme me reculer un petit peu de même. Ben non, reste là, on va nous faire du bien. Là. Ils sont tannés, eux autres, il y avait du monde qui brûlait. Hé, gars, sais-tu ce qui est nice? Des cadeaux! On a des cadeaux pour toi! On s'en allait les ouvrir, oui, mais là prends rétablissement. Pour moi? Voyons donc. C'est toutes des princesses Disney! C'est bien, déchire-les pas, on fait juste de décoller. On va le garder ou on va le mettre au local? Oui. Tu peux les déchirer. Ben oui. Hein, c'est quoi ça? Non. L'hôtel de police des monsieur, madame. Non. Non. Mais non. OK, ça, il y a quelqu'un qui a fait faire ça juste pour la joke, là. Non. C'est sûr qu'ils l'ont fait pour vrai en plus, là. Chez les monsieur, madame, les policiers sont bien occupés. Ils arrêtent le monde fâché. Le monde le fout. Madame Driss, ils l'ont tiré dans le front. Ben ouais. Non. Ben ouais. Aïe, aïe. Wow. C'est vrai qu'on n'a jamais revu monsieur pauvre. Oui, il est devenu monsieur malade. On découvre là-dedans. Il est devenu monsieur malade. En tout cas, mais ouais, ok, ok, okay, parfait. Excellent cadeau. Il y a eu plein de la merde cette semaine sur Niaiseux, hein? À cause d'une affaire de police. Aïe, mon Dieu, Seigneur! Un petit pauvre bien drôle de rire. Les policiers sont tous blancs. Check comment il était blanc, sa photo. Mais ça avait pas de sens. Pour vrai, j'étais comme... C'était une photo de cadets à Nicolet qui vont graduer incessamment, de toute façon. Il y a juste quelqu'un qui dit, vous voyez bien que la diversité dans la police, ça n'a pas vraiment marché. Puis il y a quelqu'un qui a vraiment pas pris blanc, ça. Mais ça me fait rire, ça. Voyons donc. Rire du monde avec la couleur de peau. Là, t'es comme aïe. Mais en fait, il nous a répété, moi, là, depuis qu'on est jeune, je ne crois plus à ça, les couleurs de peau. Là, okay, parfait. Ouais, OK. Ouais. Ouais, OK. Ouais. C'est super, Kevin. Puis c'est pas une joke. Fait que là, je suis comme, je veux pas rire de ça. C'est tout. Ça. Non, mais lui, dans ta famille, il voulait que ça soit le nom. Il a fait une joke, genre comme, bonne journée de la femme. Nous, on n'a pas de journée des hommes. Tout le monde comme, ça, il y a une journée des hommes. Ça servait à rien de débattre avec lui. Non, mais il était c'est juste ça. Try pas mettre d'énergie là-dedans. Ben oui, là. Broyer. Bloquez-le. Bloquez-le. Arrête, là. Bloquez le monde, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais à un moment donné, il a dit un truc. Genre, mais avez-vous pensé que c'est peut-être la diversité voulait rentrer dans la police, puis la police est tassée, fait que la diversité est rentrée dans le mur, puis j'ai fait « Attends une minute! » C'était une bonne joke. Ça, c'est comme, c'était le bon moment. Ça aurait dû être ton seul comment. Tandis de ça, t'aurais tout été le roi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, quelqu'un a enfin fait le livre ennuyant. Oh, wow! Le Guy Nantel, le livre ennuyant. Ben oui, c'est moi avec un... C'est écrit en arrière, ce livre est ennuyant. Ah, j'espère juste que tu l'as volé chez Renaud Bré. Wow. Sinon, on va aller le reporter là. Aïe, ils sont pas... Ah, ce livre ennuyant. Il est ennuyant, il l'a barré à l'intérieur. À tous ceux qui ont encore le courage de lire des livres ennuyants. Comme les matières, ennuyant. Début de l'ennui. Ah, c'est bon. C'était une meilleure idée que toutes ces shows. Mais c'était cœur. Hein, hey, bravo la personne qui a fait ça. Ouais, c'est bravo, très drôle. Merci, c'est très le fun. Vas-tu le lire? Peut-être parce que je m'aime pas. En tout cas, merci. Faut se détester un peu quand même, passer au travers de ça. C'est sûr que, mais hey, ça, c'est une lecture. Tu peux surfer longtemps sa pochette, il faut le fun. Pas obligé de rentrer dans le nerf de la guerre. C'est comme, gars, à un moment donné, tu m'as appris quelque chose. Tu t'as dit, il faut pas que tu te laisses le troll te rentrer dedans. Ça, c'est vrai, ça. Puis ça, je pense qu'il faut que tu aies la même un peu de mentalité. Quand tu lis ça, faut pas que tu laisses le troll te rentrer dedans. Non, c'est ça. Faut que moi, je fasse comme... C'est trop frais encore, ce spectacle. Faut que ça te coule dessus. Ouais, ça m'a trop déprimé. Faut que tu lis ça, tu fais comme... Ah, okay, c'est ça, exact. Oh, ouais. Puis tu t'en crisses un peu. Mais c'est toujours le fun. On est quand même dans un pays où lui se fait imprimer. Là. Genre relié, là. C'est relatif, là. Mais peu importe la qualité du produit. C'est quand même imprimé par sa propre boîte de gérance. Oui. Est-ce que ça, c'est de l'autopublication, tu penses? Est-ce qu'il y aurait peut-être... Pas loin.
Ben oui, en fait. Pas oui, loin. Oui, ouais, ouais. C'est DIY. C'est DIY, clientèle. Ouais, oui. C'est pas mal punk quand même. Ben, 100%. Bon, wow. Hey, ça y va tellement bien, les boucles d'oreilles, la petite moustache, puis les cheveux frisés en arrière. Hey, la joue est excellente. Tu sais, c'est tellement débile qu'est-ce qui est écrit. La liberté de parole a toujours été et restera toujours le thème de prédilection de cet auteur et humoriste qui n'a pas peur des mots. Mais... Hey bro, personne n'a peur des mots, là. C'est pas... C'est quoi ça? Moi, je n'ai pas peur des mots. Là, cataracte! Ouais. Ouais. Inouï! Ah non. Pomelo! Quel esti dindon. Mais ouais, ouais. C'est un dindon. J'aime ça parce que c'est la première affaire que fait après être né, si je me fie à cette petite bio. Oui, c'est tout ce qu'il a fait. Il est né en 68, puis après, la liberté de parole, toujours été. Toujours Il été. Restera toujours le ouais. thème. Toujours. Depuis ça, c'est 68. Bon aussi d'avertir tout le monde en milieu de carrière. Moi, ça va toujours rester ça, mon thème. Moi, jamais changé de cassette, puis bienvenue aux 40 prochaines années. Ouais. Les femmes sont folles tout le temps. Tout le temps. And genre, next. That's what I'm gonna do. Je prévois faire 7 spectacles, je suis au troisième. Je sais pas si dans comme 20 ans, on va lire ça en se disant... Tu sais, comme le cabaret là, des biographies. Là. Ouais. Tu sais, là, genre... Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Là, ouais, c'est biodégradable. Le cabaret biodégradable. Les gens qui lisent des biographies, il n'y a pas de style d'allure. Je sais pas si dans 20 ans, les gens vont lire ça en public pour dire... Pourquoi checker. Attendre? Allô? That's true. On peut tout de suite faire un show cet été si on veut. Là. Mais tu sais, c'est ça. Moi, ça... Pff. Non, non, ben je comprends. Non. Mais toi, faut que tu tiennes loin de ça parce que. Ben non, toi, c'est pas t'es bon. T'es on the edge. Je suis très on the edge. Toi, mais tu là... peux juste lire ça un mot par jour dans le désordre. Tu peux pas le lire d'un shot ou whatever. Là, c'est comme trop. C'est fou. C'est que comme tu des pensées. Ça. Mais là, juste dire, là. T'es allé à l'hôpital, t'as fait le système de santé, puis tout, tu sais, pour un malaise qui finalement n'était pas physique. Mais en te laissant t'en aller, ils t'ont-tu pas donné de quoi, mais je veux dire, t'as-tu donné des conseils, t'as-tu devrais faire ça, tu devrais aller voir ça? Oui, devrais... ils ont dit qu'il faudrait que j'aille voir mon médecin de famille que j'ai. Que j'ai dit que j'avais. Ça, ça veut dire bien plus ça, toi aussi. En fait, c'est qu'ils ne voulaient pas me prescrire des anxiolytiques parce qu'ils sont que à l'hôpital. Moi, ouais, mais il peut quand même juste au moins aligner un truc vers genre là, mais maintenant, on va aller voir ça. Il voyait que j'en avais pas de besoin là, parce que genre, je le disais. Tu t'es recalmé avec le temps aussi. Ben, je le disais aussi, genre, ouais, tu sais, genre, je comprends que là, je dis que j'ai ça, mais que je suis conscient que c'est peut-être de l'anxiété, genre, tu sais, comme je le disais. Ben, je comprends cette zone-là, j'ai été dedans plein de fois, je peux le désamorcer après l'avoir vécu, mais comme ce que je veux enlever à un moment donné, c'est comme le pic de me rendre à genre de devoir le désamorcer. Exact, là. C'est comme genre. Ça, il, c'est lassant. Il voyait que c'était pas ma première fois, un peu. Mais dans ton dossier. J'imagine, oui, aussi, c'est ça. Puis c'est ça, ils ont dit d'aller voir mon médecin de famille. Puis j'étais comme, ça fait bien du sens. Là, ben ouais. Parce que c'est ça. Ben, en tout cas. Ouais, mais tu sais, j'en prends pas d'anxiolytique dans la vie de tous les jours. Parce que je sens que j'en ai pas nécessairement besoin. Juste les ferries. Ouais, mais des fois, je suis pas très bon avec tout ça. Anxiolytique, ça va être plus de l'ordre de genre de quoi, activant ou quelque chose ouais, comme ça. Exact, j'ai des ouais, activants. Mais ça, c'est comme un peu tout. Moi, je sais pas, ça, je peux. Genre, ça, ah, ça va me faire. Moi, c'est la dose de base, là, le poids. Oui, ben ça, ça se peut. Moi aussi, j'ai des antidépresseurs mais de base, mais c'est pas comme je suis déprimé. Là. C'est pas ça, ça enlève. Genre, un fucking edge. Genre, où je gueule. Le reste, ça va. Juste les fois où il y avait eu un comme cette journée-là où, comme, m'a mourir! Ouais. Puis là, genre, personne autour de moi peut m'aider parce que je suis out of control. Puis tout est. Puis je le sais que non, là. Mais je passe au travers, religieusement, du même protocole pendant que ça arrive. Puis là, à un moment donné, c'est ça, je me lasse, tu sais. Fait que des fois, enlever ces edges-là, mais c'est tout le temps un genre de gamble weird. Je suis content que tu sois revenu de cette journée-là. Ouais, ouais. Ben comme je suis chanceux quand même de pas en avoir de besoin à tous les jours. De l'hôpital? De l'hôpital, non, mais des médicaments comme ça, des anxiolytiques, des affaires. Ben moi, j'ai fait ma paix avec cette quotidienneté de l'affaire-là que je ne voulais pas et que j'ai refusé. Même à la limite, je m'en suis voulu d'avoir refusé ça puis pendant tu te longtemps. Tu sens-tu mieux maintenant? 150%, voire 1000% peut-être. Ah ouais, genre, 1000%. Ça a changé vraiment beaucoup de choses. Beaucoup, mais je sais que c'est hit and miss beaucoup puis avec plein de gens. Pourquoi que tu voulais pas en prendre? J'ai aucune idée. Pourtant, je suis quelqu'un qui... T'étais-tu pour comme qui la drogue n'était pas un problème. Anxieux. Anxieux de prendre des médicaments. C'était ben, on dirait que ça tombait dans le médicament. Fait que ça me stressait comme genre, ben là, les pellules... T'as peur de changer, genre. En même temps, t'es aussi ça dans d'autres choses. Ben oui, exactement, cette peur-là. Parce que des fois, c'est un peu ça, mais... Mais finalement, est-ce que t'en prenais au début ça... du manuel, ça? Ou c'est comme arrivé comme plus... J'ai commencé... Pendant qu'on était au terminal, mettons. Les Golden Classics, genre. Ouais, genre juste après ça.
genre vers la début fin. Début pandémie, ouais. Dans le fond. Ouais, exactement. C'est arrivé quasiment en même temps. Puis une chance, j'aurais eu de la misère. J'ai pas vu de changement, monsieur. Ben non, mais moi, oui. Ouais. J'ai comme, comme à un moment donné, la tête, tu penses qu'elle va être plus lousse, mais ça spinait tellement vite, elle ralentit, elle a le temps de calculer plus vite. Là. Oui. Parce que j'en spue, genre, tout est comme... Ouais. Ça, c'est plus difficile de fonctionner quand ça fait ça. Tu continues de lâcher des killers là, comme ça. Ben, ding, en ding, fait, ding, c'est que, genre, à un moment donné, même, ça apaise un truc. Tu peux voir les trucs arriver mieux. Je joue de la musique bien mieux depuis que je suis sur ça. Ça m'a pas enlevé des trucs. Tantôt, j'ai dit là. Symphoria. Ça, hey, tu vas capoter. C'est un meilleur jeu de mots. Symphoria. Ouais. Ah ouais, tu te rappelles-tu c'est de bon, tu te rappelles-tu de Richard Monium? Mm-hmm. Ben c'est ça. Genre comme c'est un genre de ça. Ah, hey, OK, ouais. Arrivé là, là ouais. Comme wow, OK, wow. Ouais. Euphoria puis symphorien. Ouais. Exact. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça avait rapport. Ouais. Ouais. Wow, okay. C'est ça que le Québec a besoin, ouais. C'est ça. Ah, OK. Symphoria. Wow. Fait que c'est ça, faut qu'on écrive là-dessus. On a un pitch demain à l'école de l'humour. Ah oui, OK. Pour le fond Netflix. Ah oui. Puis tout ça, j'ai fait ça avec pas de médicaments. Non. Ben c'est ça que je voulais dire. C'était parce que les deux se peuvent. Les deux se peuvent. Les deux se peuvent. Mais moi, j'ai déjà pris plein des médicaments. Puis moi, je pense qu'ils m'en ont trop donné. Puis là, ça m'intéresse moins. Là. Ouais. Ben, j'étais vraiment éteint dans cette phase-là de ma vie. Ben c'est ça. C'était parce vraiment que comme moi, une grosse pieuvre dans le cou. Là, puis tout, ça dépend toujours à quel niveau. Puis qu'est-ce qu'ils essayent de remettre de même. Mais vous, vous êtes des F1, là. Tu sais, ça roule vite, là. Moi, faut que je fasse trois affaires en même temps pour pas être tanné. Tu sais, moi, je suis plus comme... Ouais, c'est ça, pas moi, là. Moi je suis plus comme un petit Toyota Corolla. Exact, mais là, mais relax, fois... on check le paysage. C'est moi, mais ici. Tu penses... Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais que t'sais, des fois, ça allait bien ces temps-ci parce que t'es dans un TGV. Ouais, je suis dans un TGV ces temps-ci. Exact, c'est mais lui, il est comme... Lui, il est dans le train. Tu sais que tu fais ça, là. Ouais. Comme ça. Ah oui, OK, faut le décor. Le train de cartoon. Ouais. C'est ça là. OK. Tu pompes. Moi je pompe, c'est ça, fait que t'as le temps de voir auto puis d'être overconscious, mais en même temps noyé dans la vitesse du TGV n'est peut-être pas non plus la solution là, mais des fois juste de calmer la tête en fait, c'est juste ça le but premier. Oui. De calmer la bébite dans la tête parce que les gens parlent du hamster, mais moi c'est pas un hamster. J'avais c'est genre Donovan Bailey, là. Il y avait genre, quelqu'un dans mon entourage comme qui disait... Il spin, là. Moi, ça spin dans ma tête fucking roue, gros, là, fait qu'il faut que je me saoule pour me calmer. Ben oui, absolument. Ça, c'est un bon truc, c'est... Mais non! Non, c'est bon! Mais c'est le plus facile, ben oui, le ça plus marche. Accessible. Oui, je sais, mais comme j'étais comme... Ah ouais, mais... Je suis pas sûr que c'est bon sur le long terme, ça. Non, c'est jamais bon sur le long terme. Mais je pense qu'il y a beaucoup comme ça, justement, d'auteurs... Qui prennent cette voie-là parce que ça spin dans leur tête. Fait que là, ils s'auto-médicamentent, tu sais. Mm-hmm. Puis finalement, ça finit par genre comme Hunter S. Thompson qui se tire un shotgun dans la tête, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est peut-être pas la bonne idée. Peut-être. Ben, c'est sûr pas. Que c'est un métier qui on peut. Soulève la question. On soulève la question. C'est pas. Hey, on veut pas trop se prononcer, là. En même temps, il y avait le coup, il est parti. Non, mais moi, je pense. Mais il est pas parti dans un genre de feu. Ah oui, ils ont mis ses cendres dans un feu d'artifice. Un canon. Ils l'ont tiré où? C'est ça, c'est Johnny Depp qui était comme son ami. Il aurait pu mettre Johnny Depp dans le canon avec mon tir avec la chaleur. Ça aurait été réglé, Ben oui. Non, mais moi, tu vois, je l'aille pas le chaos dans ma tête. J'avoue que des fois, j'aimerais être un peu plus heureux, mais je déteste pas cette... Faut juste que je l'oriente comme faut, effectivement. Faut que je donne une raison d'être. Puis il faut aussi que je joue à Minecraft dans ma tête. Il faut que je construise un palais mental pour pouvoir jouer dedans. Si je l'organise, c'est un peu moins dangereux. Ouais. Fait que c'est ça que je fais. Moi, souvent, je me ferme les yeux puis je construis. Oui, l'organisation le palais. Sort de ça. C'est vrai que comme quand t'as rien, ça spin. Puis tu sais, comme on a parlé beaucoup là, au téléphone, tout ça. Puis t'as des phases justement où tu fais rien, comme c'est là que ça spin. C'est moins bon. Sois occupé. Là, t'es fucking occupé. Là, j'en peux plus. Ça va, mais ça va quand même bien. Tu sais, oui. Comme quand on se parle, t'as pas de l'air comme. Non, t'es full focus. Parce qu'il me reste juste comme 4% de batterie t'es après tout le reste. C'est fait ça, mais pas... tu travailles pour occuper ta tête. Mm-hmm. T'es workaholic dans le fond, Philippe. Oh, c'est juste que le problème, non. C'est que t'es aussi paresseux. Oui! Fait que ça balance. C'est ça. Ouais. Non, mais en même temps, c'est correct, la paresse, là. Non, 100%. Moi, je suis déçu d'être workaholic, pas d'être paresseux. Ouais, je sais. Moi, paresseux, c'est ma première qualité. Non, t'es pas workaholic, je te l'annonce, t'es pas workaholic. Non, mais en fait... Non, mais t'as besoin de faire des affaires, tu sais, comme là, tu vois, t'as rejoué une deuxième fois à Disco Elysium. Mais c'est parce que je me sentais compris dans ce jeu-là. Mais oui, c'est ça l'affaire. Mais c'est parce qu'il y avait d'autres ça faisait messages. Des années que je te le répétais, jouer à ce jeu-là. Oui, mais ça, c'était pas une affaire de pas te croire, c'était aussi une affaire d'être prêt. Ouais, être prêt. À n'importe quoi. Tu sais, des fois, ça m'affaire avec un livre, là, quelqu'un te donne un livre, puis si t'as pas le goût de le lire, il l'est pas tout de suite, là, ça donne rien. Là. T'es-tu prêt à regarder Star Trek ou...
C'est long, ça. Mais j'écoute juste les meilleurs épisodes. T'as pas besoin d'écouter tout. Tu fais quoi? Faut aller sur une coupe de Reddit puis tu trouves le tu fais top best, mettons, top 20, là, parce qu'il y en a beaucoup plus que 10. Ben, même, tu peux te taper un top 100, mettons, puis tu vas avoir comme un bon moment. Top 20, Star Trek, TNG. Mais là, je te dirais qu'avant le festival, non. Il n'y a rien d'autre qui rentre ça, dans ça, c'est ma bon vie. Tomber là-dedans dans une veg totale après post-travail intense de juste se pitcher dans un genre de « je rentre les 20 meilleurs épisodes de Star Trek ». Non, mais je vais tout l'écouter, je suis capable. Ouais, c'est des gens avec des 40 minutes. Je suis capable. Ben, moi, oui. Je n'ai fait un bout, puis après, c'est parce que c'était beaucoup. Là. Pour moi, pendant la pandémie, en mini, j'étais comme « ah, j'ai besoin d'un truc qui dure longtemps, que je peux juste… » aller dedans puis revenir puis il y a toujours fait qu'il y a un long moment qui était ça fait que c'est toujours un peu là mais j'y reviens un petit conseil pour les gens qui veulent se plonger dans Star Trek, je dirais mettons que tu veux pas tant écouter Star Trek, le top 20 de The Next Generation super c'est bon, c'est ce que tu m'avais dit. Et si t'aimes ça beaucoup, Deep Space Nine c'est la meilleure. Mais pourquoi tu recommandes l'autre? Ça te prend une couple d'affaires avant. Si tu veux vraiment avoir le bon payoff de Deep Space Nine, il faut que tu écoutes tout The Next Generation. Fait que mais c'est ça, c'est beaucoup d'investissement. Okay. C'est 7 saisons de genre 26 épisodes. Ah oui, parce que ça roulait ça. Ah, ouais, ouais, beaucoup, ouais, ouais, c'est des 26 c'est épisodes. Ah, mais oui. C'est très c'est bon. C'est des épisodes de 40 minutes, genre. Oui, un mais truc faut que de ça, après, t'écoutes de la mauvaise TV des fois. Des fois, tu fais des épisodes que tu fais. Hey yo, c'est ma vie, ça. Oui, oui. C'est ma vie. Paye le câble. Mais c'est du slow TV aussi, là. Parce que tous les épisodes, il y a du tapis. On va dire, le monde à TV sont assez slow, G. Non, là. Mais là, moi, j'ai trouvé Trek, ça très slow. Il y a un problème, on fait une réunion. Là, ils s'assoient, là, ils parlent, ils jasent, ils font une réunion. Ils font un meeting. Là, ils font OK. Moi, j'ai trouvé ça trop slow. Puis après ça, ils essaient de quoi? Là, ça marche pas. Là, ils font un autre meeting. Qui aurait pu être un email. Puis en plus... Probablement qu'ils sont passés ça, ça serait comme une télékinésie genre, deux secondes. Genre, là, genre, hey, c'est ça. Il y a beaucoup ça. De meetings, mais okay. J'adore les meetings. Fait que dans le fond, Deep Space Nine, ça se passe chez Sid Lee. Non, The Next Generation, ça se passe dans Sid Lee. Deep Space Nine, c'est plus comme genre, c'est la rue. La rue dans de l'espace. Quoi? Je comprends pas. C'est la rue de l'espace. La rue? Mais quelle rue? c'est les voleurs, c'est les pilleurs, c'est la racaille, c'est la rue. Ah oui? Ah ouais. Deep Space Nine, c'est Renault, ça. Parce que là. The Next Generation, tout est parfait. C'est l'utopie. La société est bonne. Deep Space Nine, c'est genre... C'est le retour à la it's réalité. It's the shit, là. Ça, genre, ça va pas bien, là. Okay? Y a, non, ça va pas bien. Fait que nous, on est dans Deep Space Nine. Nous, on est plus dans Voyager, là. Il en sort un autre, c'est ça, il y en a tellement. On est perdu, puis là, il faut revenir. On va pas bien. Mais en même temps, on va revenir? On a deux choix. Ils reviennent à la fin, mais ils font une affaire de voyage dans le temps fucké. Ils fuck le. Ils respectent pas les lois dans Voyager. Ça, j'aime les ça. Lois de les lois ou les lois comme de la gravité, nature, les lois des hommes. Les lois des hommes. Wow. Tu parles comme Céline. Les lois des hommes. C'est là écrit par Jean-Jacques Goldman. Exact. Oui. Ben oui. Mais Céline ben oui. Parle jamais de seule de toute façon. Non, ben non. Hey, les gars, personne n'a remarqué, j'avais une salopette. Moi, j'ai remarqué une salopette. C'est ma première salopette. Ça te fait bien? C'est ta première. Hey, je suis bien, là. J'aime ça, là. C'est quoi l'avantage? J'aime pas quand se pogner, là, les pantalons. Comme ça enlève vraiment ça. C'est comme un sac à dos. Ben, pas vraiment. Un sac à dos de toi? De moi, t'es de pantalon. T'es ton propre sac à dos? Genre, de pantalon. Un sac à dos de pantalon. C'est très Mario Bros, je trouve. Ben, assis... Mais comme Anarcho-Bros, mettons. Anarcho-Bros. Marx Bros. Marx Bros. C'est bon, ça! Oh, mon Dieu, on le fait! Il arrive à la fin. Il ramasse les scènes, il redonne à tout le monde. C'est ça, nos scènes. Nos scènes. Nos scènes. Il y a quand même, tu sais, on dirait que je peux freestyle en 86. C'est vrai. J'aime ça. C'est ça, ça enlève le... Là, c'est, comme c'est le sac à dos des pantalons, dans le fond. Mettons, c'est le sac à dos des pantalons. Là, par exemple, tu sais, ça, le downside, c'est vraiment comme... C'est la ça, chaleur? Ben non, les toilettes.
Oui, mais ben là, oui. C'est vrai. Non, j'ai réalisé. Il n'y a pas de zipper? Ben non, non. Mais en fait, tu y pourrais, mais j'imagine. Pourrais avoir ben, un zipper. Ils ont fait même le faux zipper comme il y en a un. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais là, on m'a rappelé rapidement que c'était les designs de mode chez les femmes en général. C'est-à-dire difficile de pisser et pas de poche et pas de zipper. Attends une minute. Les femmes pissent? Ben non. Non. Garou. Mais c'est parce que c'est un autre tuyau, les autres. Ils ont tout en même temps. Okay, ça okay, pue okay. pas. Ah, oh, OK, OK. Non, mais je comprends. J'ai arrêté de me plaindre de tout ça. Je comprends que c'est un peu, mais non, c'est mais plus tu plains pas avec eux autres. Ben, je comprendrais mais comme ensemble. Pourquoi en même temps. Mauvais design, mais en même temps, fun design. Tu sais, c'est pas pratique, mais c'est le c'est sûr que dans un lieu public, t'as besoin d'une cabine fermée pour vraiment tout enlever. Ben non, mais je trouve un peu, mais, j'ai trouvé mais que moi, ça allait mieux si j'avais un hoodie par-dessus. Tu peux défaire ça, puis les bretelles vont pas en arrière à cause de l'oudi du tien, fait que c'est pas dur. Pas pour pas peut-être pisser, je peux m'en passer. Mais... ben, en fait, il enlève ça de ben même, parce que ça tient. Ben, c'est ça, à cause... c'est ça, tu sais. Il est pas besoin de tout comme lâcher. Fait que là, c'est tes pères en arrière, là. Là, t'es fourré, là. Mais moi, je me connais, puis psychologiquement, ça, pour moi, ça représente faire pipi chez moi. C'est oui, ça oui, que ça... oui, absolument. Je le vois, puis je suis comme... Maintenant, c'est comme ça, Philippe, nous, on pisse à la maison. J'aurais jamais voulu merci. M'acheter une salopette s'il n'y avait pas eu un rack à rabais où elle n'était que 12 $. Les racks à rabais, hein, tout ce que ça mais nous fait avant, peur. Mais avant, elle était genre, avant les 4 autres étapes, la plus haute, là, genre 75. Mais c'est sûr. C'est sûr. Puis je te dis, ça vaut au moins 15-16. Fait que j'ai eu un bon rabais. Là. C'est quand même. Ah oh, ouais, mais solide gauche jeans. Ça te fait bien. J'ai encore de la misère à trouver son où les poches. Moi, là, j'ai caché de la drogue quelque part. Faut que je retrouve. Ah. Il y a comme, c'est un peu cargo, mais funky. Ouais, c'est comme ça le pète cargo. Hein. Hey, ils ont checké funky. Mes poches, moi, à l'hôpital. Hein? Il y avait un policier à l'entrée. Tu checkais tes poches? Ils ont checké qu'est-ce que j'avais dans mes poches. Puis, qu'est-ce que t'avais? Ben, mon portefeuille, des sacs à caca, de la gomme. Ce que tu laisses dans mon char là, quand je te fais un lift. Là. Ouais, exact. Là, tout. Ben là, toi, ça te prendrait aussi un bon 3 minutes. Mais j'aime ça. Il faut comme, t'as-tu la drogue dans tes poches? Parce qu'ici, on a les drogues les plus fortes ever. Fait qu'on veut pas ton hostie de weed dans le vôtre. Tu faisais pas ça avant? Écoute, je sais pas pourquoi il y avait un policier à l'entrée qui checkait mes affaires, mais tu sais, genre, peut-être que sûr je. Tu t'es pas juste fait voler ton portefeuille, toi, en non. entrant. Mais je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a quelqu'un, genre, tu sais, du crime organisé qui est comme dans une chambre en ce moment. Tu sais, souvent dans les films, là, genre, t'as le hitman qui arrive. Check. Il tire à l'hôpital, tu sais. Oui, c'est, comme... c'est une bonne place pour tirer le monde, l'hôpital. Ben, il est déjà là pour se faire soigner. Ah ouais? Il va déjà pas bien, il peut pas bouger. Les fonds mondiaux, on l'a perdu, il toussait, puis là, finalement, il y a un trou de balle dans la tête. Start! Il a respiré trop fort. Ouais, fait que c'est ça. Mais c'était toi, en le fond, aujourd'hui, le ben pas le mafioso, là, parce que t'es pas mafioso, mais t'étais la vedette de l'hôpital, là, t'étais le cas spécial. Ouais. C'est ça qu'on se disait avant que t'arrives, Chris, pourquoi vous avez pas accès, vous autres, au plateau de stats, les comédiens, quand ça va pas bien? Ah ouais, ben oui. Tu sais, t'aurais appelé là aujourd'hui, tu serais senti moins mal d'engorgé. Ouais. T'aurais eu un service tout aussi compétent. Parce mais t'aurais peut-être vu Christian Bégin se coller par la fenêtre, ah, ouais, ça aurait pu te stresser, par exemple. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis les horaires, ça roule. Là. Ouais, ben oui, c'est vrai que j'aurais pu. Mais là, t'as la parfaite photo en tout cas pour envoyer à la prod puis dire hey c'est regardez un malade ouais. Ben ils sont dans une phase les trucs à l'hôpital fait qu'avec ça c'est une photo de casting là. Casting 100% c'est vrai tu vas l'avoir ou tu te rhabilles en policier pour la prochaine génération parce que c'est mais... toujours l'hôpital ou la police c'est là, vrai deux affaires qui s'intéressent au Québec fait que si tu veux être en avance ton temps l'hôpital la police les blackface l'hôpital la police les blackface c'est ça c'est ça le Québec. Le Québec de temps en temps, une petite série cool dans laquelle tu joues en plus. Là, de temps en temps, on en fait. Mais comme à un moment donné, j'ai vu des ambulanciers passer, tu sais, puis là, je les regardais, puis j'étais comme, aïe, tu sais, les ambulanciers, c'est comme la police, mais cool, puis on les aime, là, tu sais. Ils sont là pour nous aider, tu sais. Ils ont comme le même attirail, un peu, là, la même genre de stature. Mais tu fais comme. Ils ont surtout le même numéro de téléphone. Ouais. C'est ça qui les associe. C'est ça l'affaire. Ils devraient. Moi, je trouve qu'ils devraient brancher. C'est pareil. Ouais. Mais j'aime mieux quelqu'un qui peut brûler les rouges avec des bonbonnes d'oxygène qu'un gun. C'est juste. Non, il était cool. Là. J'étais comme, wow. Il était cool. Toi, t'es plus ambulancier que pompier? Ouais. Moi, j'aime aussi. Plus les ambulanciers. Ben, en même temps, c'est parce que c'est pompier. Ben, c'est sûr, pompier, c'est nice aussi, là. Pompier, c'est plus courageux qu'ambulancier. Ambulancier, c'est plus que. Je sais pas, ça dépend de quoi t'as peur. Non, mais moi, c'est juste un peu d'une optique, laisse tout brûler, mon corps. Hey, ambulancier, que... ça a l'air stressant, là. T'arrives, il y a comme, oh non, il y a plus de face. J'ai vu, oh non, à un moment donné, on venait du chat. Il y a quelqu'un collé sur le poteau. À un moment donné, j'étais sur l'autoroute 15, puis là, il y avait du trafic. Puis là, le monde de ce bord-là, il y avait du gros trafic. Puis là, il y avait une moto. Puis il y avait plein de police, plein d'ambulances. Puis là, il y avait comme un policier, puis une ambulancier. Puis il checkait, puis il était de même.
Puis là, j'étais comme, ah, oh, faut pas que je regarde là. Puis là, j'étais comme, ah, ça, c'est vraiment dommage. J'imagine, là, tu sais, ah, il fait beau, je sors ma moto. Ouais. C'était ça. Pow! C'est, mais ça, c'est des journées super traumatisantes, ça, me semble. Moi, je serais pas capable de faire ça non-stop, là, ambulancier. Imagine, tu dois voir trop du monde d'affaires. Ah, man, je serais pas capable. Une fois, on allait au chalet chez mes parents. On était des amis dans l'auto. On est quatre. Puis on a croisé, justement, nous autres, on va la 321 Nord. Un paquet de rues, tu sais, qui sont comme des routes un peu de même, mais one-way check ball, tu sais. Souvent propice à des face-à-face, des trucs de même. Il y en a toujours une couple par année. Puis on en a croisé un. Puis genre, ça l'a down fuck. Tu sais, je veux dire, on est, par le temps qu'on arrive au chalet, on était tous comme. Ben oui, c'est ça, là. T'es-tu en train de dire qu'un accident d'auto, ça fuck une journée? Oh, ouais. Ah, ouais. Hein. Surtout si t'étais dans le char, là, ça, c'est l'enfer, là. C'est mais il y a tellement de monde avec tu ça. Tu peux pas aller travailler, il faut t'appeler les assurances. Tellement de monde qui meurt à chaque année. T'sais, c'est des tombeaux roulants, là. Oh, bien dit. C'est. Hey, v'là! Ah, t'étais-tu tanné de ça? Ben non, t'es pas Non, mais c'est vrai. C'est parce que moi, honnêtement, tu sais, comme le monde, c'est pas eu un stress en avion, mais moi, à chaque fois dans un char, je me dis, maybe it's the last time. Ben, plus de chances que ça fasse un char qu'un avion. Ouais, ouais, ouais. C'est clairement l'endroit où je vais, c'est le plus dangereux. Ouais. Mais ça, c'est parce que t'es toujours en char avec moi, mais. C'est relatif, ça dépend, là. J'ai peur d'apprendre à conduire, on dirait. J'ai peur. Tu sais, je suis rendu à 38 ans, puis là, je suis comme. Ben, ça t'enlèverait ta peur, probablement, parce que ça ferait juste démystifier un peu cette bébelle-là. Mais aussi, ça te mettrait peut-être un peu de rage. Et genre, un genre de. Ah, yo, non, mais moi, je serais vraiment du genre à conduire 99. Tu sais, là, genre. Sur 100, genre. Ouais, comme, tu sais, là, vraiment, puis loin. C'est comme, on arrive. Mais c'est quoi conduire 99 sur 100? Je sais pas ce que c'est. Ben, si la limite. La limite de vitesse est à 99. La limite de vitesse, c'est 100. Moi, je serais conduire à 99. Okay, okay, quand c'est 100, pas quand c'est 30, là. Non, ben là, non. Moi, là. Je roule à 99 tout le temps. Peu importe toutes les situations. Dans bretelles, dans le curve, dans le parking. Like non, mais this. Je serais vraiment du genre à être comme, genre, très grand papa, là, tu sais, genre, vraiment loin. C'est bien safe, ça. Me faire dépasser par tout le monde qui me regarderait de même, genre. Je serais comme, fuck you! Monsieur Poel! C'est Monsieur Poel! Ah, oh, je suis tanné. Tu que c'est nice? Je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis content. Je suis content que tu sois là puis que tu ris, là, genre, ça me rassure, hey, honnêtement. On se met chaud! Chaud! C'est absurde, en plus, je suis en train de monter ça une heure et demie avant que tu calles pour genre là. Je pense que ça va pas, je fais pas l'épisode. Puis j'étais comme aïe aïe, l'autre semaine, il est en train de dire on se met chaud. On se met chaud. Je l'ai écouté en rap. Ça, c'était pas une bonne idée, ça. C'était une chose cette semaine-là? Oui. Après l'épisode, j'ai chillé avec Jake un peu. Ah, pas une coupe de bière. Même, je suis parti avant toi. Le monde me payait des shots. Ben ouais. Wow. J'ai pris des shots. Il restait de l'alcool à G quand je suis parti. Ah non, je me suis mis chaud, là. Ben ouais, mais regarde. Tu niaisais pas. Non. Mais je le filais comme. Ça ben me tentait ça, de me mettre chaud. Ben ouais. Puis là, aujourd'hui? Ah, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Ben non, moi. Et en même temps, ça couronnerait bien un jour. Ben oui! Tu sais, me semble, Pablo, on serait content que tu reviennes à 4h30. Plein de bruit! Je me sens mieux! Lui, il revient, puis il fait « Je suis pas tuable! » Puis toi, je suis pas tuable! Il a eu toute la kit, puis le lendemain, il se réveille. « J'ai mal partout, mon mourir. »« J'ai mal! »« Mon mourir. » Je me sens vraiment plus déshydraté que d'habitude. Je pisse sec! Non, je comprends. Mais c'est des grosses émotions, pareil. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est comme on disait tantôt, c'est que t'es vie pareil dans l'angoisse, en fait. Fait que. Ouais. C'est pas la 100%, on avait de l'empathie. Mais t'es déjà des pieds dedans, fait que ça fait des journées, tu sais. On avait de l'empathie pour la personne. Que tu sois sur le point de mourir ou non, t'as une journée où t'as peur de mourir. Fait t'étais que la personne qui s'est rendue à l'hôpital quand même. Ça veut dire quelque chose. Oui. Parce que tu vas pas tous les jours. Moi, je vais jamais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital à côté de chez vous. C'est vrai, Chris? Ouais. J'ai arrêté de voir, voyons donc. Dis-moi la prochaine fois. Moi, je vais mettre du tape. Je vais y aller. Moi, je serai allé avec toi. M'en mettre du tape gris sur une plaie avant d'aller au l'hôpital. T'aurais fait fuir par la police. C'est une autre affaire. Ça, c'est vrai. Il aurait fallu que tu me le dises, par exemple. Oui, Philippe, apporte pas tes affaires. Il y a la police. Vite tes poches, là, maintenant. Il y a un gars qui check à l'entrée. La police, elle n'est pas au poste de police. Elle est à l'hôtel de police. Ils habitent tout à la même place. L'hôtel de police. C'est quoi, c'est quoi ça? Cet hôtel-là? J'ai des sujets. Non, bon, mais c'est cool, t'as un épisode à rattraper. Let's go! Let's go! Ah ouais, nous autres, on a parlé tout le long tout à l'heure. Ben ouais, c'était super le fun avec ton ami, by the way. Oui. Ben hein? Oui. Il est cool, hein, lui, hein? Ben là, il est plus ami cool. Que nous, je pense, à cette heure. Il te fait dire salut. Il te fait dire salut. Il n'y a plus de place pour des nouveaux amis. C'est pas grave. Non, mais en tout cas, il y a eu bien du fun avec nous autres, je pense.
Il y a quelqu'un qui m'a payé un shot de Drambouille. Oh, du Drambouille. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Non. Ouais, tu sais, à un moment donné, on avait appelé Dominique Monplaisir, là. Il le nomme Drambouille du gaélique Andrambouille, qui signifie la boisson qui satisfait. OK. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui m'a payé un shot de Drambouille à cause que je n'avais parlé. Puis Salut. Merci à cette personne-là, c'était super. J'ai adoré ça. Woo! Woo! Une personne. Oui. Sinon, j'ai vu le film Donjon Dragon. OK. Farador ou le... Non, ben pas le Québécois. Pas le Québécois. Il est pas encore sorti. Ah, OK. Puis c'était bon. Ah oui, hein? Oui. Ben, j'ai vu des critiques qui disaient que c'était finalement... Tout le monde pensait que ça allait être débile, mais finalement, c'était bon. Ben, c'est parce qu'ils ont compris que Donjon Dragon, tout le monde joue ça comme une comédie. Faut que ça soit le fun. Oui, personne ne se prend 100% au sérieux. C'est ça, mais des fois, ça va être fucking intense. Oui, mais c'est drôle. Mais souvent, c'est niaiseux. Oui, oui, oui. Puis c'était vraiment un film que je recommande à tous si jamais vous aimez le genre... Chevalier. Disponible sur Pirate Bay FFF Films. Tout ça. F-Movies. Oui, c'est ça. Pas besoin d'être vu au cinéma. Non, absolument pas. OK, non, ça, c'était pas nécessaire. Sinon, j'ai vu la pièce Lincoln va au théâtre. Ça, c'était bon. Ça. Il est mort, Il est mort à la fin, hein? Ouais. Il est mort à la fin. Mais, puis qu'est-ce que t'as pensé? Ah, c'était fucked up, ça. Ouais? C'était où, ça? C'était au Théâtre du Nouveau Monde. Au TNM. Au TNM, c'était vraiment fucké. Laurent Pinta. Oui. Je sais pas pourquoi qu'on parle d'elle à soi, c'est spécial. Elle est dans l'air. C'est dans l'air. C'est la deuxième invitée du podcast de François Legault. Je le sais. Je t'ai informé. Ben oui, c'est toi qui es le metteur en ligne de François Legault maintenant. C'est toi, ça? Ben non, ben. Oui. Hey, imagine. On... C'est écœurant. Tu nous envoies les roughs. Là, il y a des leaks avec les bloopers de François, puis c'est Julien qui les monte. Wow! Fais-toi engager. Il fait une bonne job pareil avec pour remonter les épisodes, je trouve, Julien. Ben, c'est bien Julien, meilleur. Oui. Ben, oui. J'aime mieux les épisodes de François faits par Julien que. Ah, sont tes cœurs, hein? Mais sont pourrais, je prendrais bon, deux heures de ça. Moi, je veux François Legault qui fait. Bonjour tout le monde! Coup de poing! Point. Ben ouais. Ça pas rapport. La culture, donc, c'est... Merci. vous êtes une comédienne. Oui. Ah ouais. D'ailleurs, on l'a souligné tantôt, mais c'était la fête de Julien aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'étais là. T'étais-tu là quand on l'a fait? Il y avait un party. Ah, t'étais déjà arrivé, mais t'étais pas arrivé. OK, je comprends. Oui, j'attends. Ça fait 3-4 heures, t'es là, tout là. Non. Mais t'es là depuis quand? Ben l'ambulance l'a amené direct en avant. Sors du scan. Monsieur, mais j'attendais parce que vous avez des bons sujets. Puis là, j'étais comme, vous avez parlé de Magic, c'est là que je suis rentré. C'est vrai que c'était ça. Je trouvais ça tellement Magic. Vous souvenez-vous quand les dauphins sont revenus dans les eaux de Venise? À cause de attends, la fonte des glaciers. C'est un slam que tu commences, là? Faut-tu que je réponde à ça? Quand les dauphins sont revenus dans les eaux de Venise... J'ai vu des dauphins revenir. Est-ce que vous en souvenez? Ça me dit quelque chose. Mais ça, c'était pas vrai, ça. Fait que c'était une fausse nouvelle. L'affaire qu'on savait pas, c'était pas vrai, finalement. Non, mais c'était fake news. Non, mais c'est parce que moi, je m'en souviens de ça. J'étais comme, mais c'était quand, mettons? Dans la pandémie, genre 2020. Mais c'était pas fake news avant que je l'apprenne. Mais c'était fake news. Puis quand j'ai... parce que j'ai pensé à ça, puis j'ai fait « Wow, tu sais, quand les dauphins sont revenus, là, j'ai fait des recherches, puis c'était super compliqué de trouver que c'était une fausse nouvelle. » Parce qu'il y a eu genre 2-3 articles. C'est ça, il n'y en a pas eu assez. Mais il y en a eu genre 400 de « Les dauphins sont revenus à Venise! » Puis il y en avait eu 3 que c'était comme genre « Ouais, c'était pas vrai ça finalement. » Fait que là, je suis comme « Ah, ça va être difficile dans le futur, je pense. » C'est déjà difficile. Ben ouais, c'est ça. On en a parlé en plus de ça là, tantôt, la vérité, le journalisme, c'est le traitement de la nouvelle. C'est difficile. Tu aurais été bon dans cette conversation-là. Surtout que c'était ton ami. Mais regarde, des fois... Non, c'est pas grave. C'est une joke. C'est juste écœuré un peu. Ah oui, moi aussi, j'en ai. Juste content de voir arriver. Moi aussi, j'en ai des sujets. On va voir. Sont-tu bons? Moi, c'est des micro-sujets. Ben oui, mais moi, t'as réussi à croiser mes sujets. Te rappelles-tu de la police qui a arrêté le contrebande de chicha? Oui, il a dit tantôt. Ben oui. Ça va nous coûter cher cette semaine. Oh yeah! J'ai vu un gars sur Internet faire cuire du poulet avec des miroirs. Wow! Puis je me suis dit que ça t'intéressait. Ben oui, mais il avance la barnaque des miroirs, là. Combien? Mais tu sais, genre, il y a 200 petits miroirs. Il était pas nécessairement dans le désert, mais comme... Très grec. Très chaud, là. Puis là, il met le poulet
C'est une structure en métal, puis il tourne tous les miroirs dans le bon angle, mon chum. Ça broille. Ça y va, là. T'sais, tu disais, je me disais au début, ça, c'était plus comme un slow cooking, là. Ouais, genre, on mange tantôt. Non, non, ça sort. Et même que faut pas t'oublier de rebouger le miroir avant de sortir le poulet, sinon il y a comme un doigt de plus, wow, là, qui est le tien. Ah, wow. Puis ah, dans, ah, qui brûle un avec. Doigt pas de poulet avec un poulet, c'est pas bon. Doigt pas de poulet. Ah. C'est fou, mais ça, tu vois, c'est une technique grecque pour brûler les bateaux qui s'en venaient envahir. Il y avait des miroirs. Imagine ça. Puis c'est il fucké, mettait quand comme même. Genre, ouais, puis il faisait brûler les bateaux au loin. Wow. Le gars qui s'est dit tabarnak, je préfère ça que le poulet. Ouais. C'est hot aussi si tu le fais avec les oiseaux. Pendant qu'ils sont dans les airs. Ben oui, le poulet, il arrive, il est déjà cuit. Il tombe, puis il cuit. Ben, il est pas cuit. Tu peux pas... Il est roast. Il est bleu en dedans. En tout cas, mais je me suis dit, ça t'intéresserait. Ça, c'est le genre de nouvelles pour toi. Quand je vois des affaires de même, je pense tout à JF. Preach, il s'est acheté un lance-flamme. Ça, c'est pratique, ça. Ça que ça fait travailler 10 ans au bordel. Ouais, non, mais c'est ben, ils ont juste un lance-flamme, là. Ils sont achetés un lance-flamme. Mais là, tu peux pas utiliser. C'est Elon Musk qui vend ça, puis ça s'appelle This is not a flamethrower. Puis c'est un flamethrower. Ben oui. Il est tellement artistique. Mais c'est quand même. Moi, tu sais, mettons, j'avais de l'argent comme lui. Je pense que je serais content. Oui, on tabarnak. Et toi, qu'un lance-flamme. Hey, pour vrai, j'ai plus envie d'un jetpack. Mais okay, c'est trop dangereux. D'ailleurs, tu parles de ça. Savais-tu ça, toi, qu'à LA, il y a quelqu'un qui appelle le Jetpack Man ou Woman, on sait pas, parce qu'il y a une personne qui, depuis 2020-2021, a fait des vols en jetpack dans le ciel. Okay. Ils savent pas c'est qui. Je l'aime, c'est l'armée le veut à 5000 pieds. Je suis comme, waouh, pourquoi on n'a pas ça, nous autres, à Montréal, hein? On a rien de le fun. Ça ferait pas du bien un peu à la ville d'avoir un Jetpack Man or Woman or. Tu sais? Juste ça dépend vous. Juste c'est qui, là, t'sais. Non, mais là, qui joue au douin, ça me dérangerait pas. Juste quelque chose de le fun. Hey, mais pas Éric Lapointe. Ben, sais-tu quoi? Il sort du bistrot à Jojo un second. Non, mais il ferait un vol, Éric. Direct dans le taux de la bourse. Toute la ça réglerait deux affaires. Deux affaires. Mais après, l'histoire est comme finalement, c'est un activiste. Ouais. Terroriste. Là, il est comme. OK. Là, mon ange. Il est temps que je change le gaz dans ma bombe. Mais en tout cas, mais Jet, j'étais comme je disais ça, puis je me disais, ça se peut pas. J'allais vérifier. Puis tu vois, c'est même sur Wikipédia. Ouais. T'as donné une idée, là. Puis il y a quelques rapports. C'est officiel en crise. Mais je trouvais ça écœurant. Mais c'est qui cette personne-là? On peut-tu la recevoir au podcast? Oui. Imagine, il y a peut-être quelqu'un qui s'est juste fait un jetpack chez eux et qui est comme, je fais des petits tests. Il faudrait juste y payer le billet d'avion mais pour non. La chambre d'hôtel. Rien en jetpack. Allô? Tout ce qu'il faut acheter, c'est une GoPro pour les mettre dans la face. That's all. Aïe, aïe. Tu ferais-tu ça, toi, du jetpack? Mettons, je t'achète un jetpack. Ben non, non aucune j'ai chance ben trop peur, voyons donc. Mais lance-flamme, oui. Et moi, je suis allé au casino puis quand je serais monté au cinquième étage. Dans l'escalier roulant, j'avais la chienne. Je crois que t'étais haut. Hey, tabarnak. Mais en même temps, imagine le. Moi, j'ai imaginé tout voler. Le monde qui ont comme sauté en bas parce qu'ils ont fait j'ai perdu ma maison. Tabarnak, c'était une belle soirée que t'as pas. C'est sûr toi, qu'il y en avait. Ouais, ouais. C'est ça le edge du sûr. Casino. Donc, c'est ça. Puis là, quand je suis parti en autobus, il y avait une ambulance qui s'emmenait vers le casino. Puis j'étais comme wow. Le gars des toilettes, il pleurait pas rien. Exact. Oui. Mais c'est correct. Oh, tu sais, d'ailleurs, t'as vu les annonces de ça? Je sais pas, il y a des annonces de l'Auto-Québec de ça. Là. Ça me fait tellement rire. Là, comme ils essayent de. En fait, l'annonce sert à te dire que si tu joues à des sites de casino en ligne qui sont pas l'Auto-Québec, point, ça, l'argent vient pas ici. Fait que là, ouais. Pas de jouer. Puis tu sais, t'es comme, hey, pour vrai, là. Ça tout va monde, pas motiver, tout le monde s'en colle. Le casino ça. Bleu. Moi, non, mais genre, mais tu sais, le casino bleu. Ça, c'est hot, tu veux. Mais hey, ça vient-tu dans mes poches? Oui. Non, mais... C'est un peu ça que le monde se dit. Non, là. Mais pour vrai, c'est tout. Tu sais, les gens qui jouent là, non-stop puis en ligne puis tout aussi, tu sais, c'est un problème. Ouais. C'est comme drôle, c'est comme de faire comme en tout cas, si vous achetez pas les cigarettes là, de nous ouais. Autres, là, ben. Hey, c'est ta dépendance. Votre argent, il vient pas à nous. Mais encore lisse, bro, là. Mon argent, je l'ai tout perdu. J'ai Philippe. Plus de maison. Yeah, puis là, faut que je l'envoie à toi. Hey, c'est important là. Que ta dépendance soit étatique. Étatique et chez nous. Oui. Garde tes problèmes ici. Oui. Voyons. T'sais. Consomme tes drogues là, calmement, produites ouais. Par la police. Comme si ça rendait ça plus moral, mettons. Moi, ouais. J'ai tout perdu.
Mais ici... Au moins, j'ai perdu ça. Ici! Ici! Mais oui! En fait, t'as pas perdu, t'as donné j'ai au donné. Québec. Mais oui! Voilà. J'ai donné, mesdames sinon, et messieurs. Comment qu'on va financer? Tout. Pas en plus, si, mettons, il suicide puis il a signé ses dons d'organes, c'est des doubles dons. Double dons! C'est des doubles. Le gars, il donne tout! C'est fou, mais... Ça, c'est ça. Faudra aller voir à chaque soir le chiffre. Tu sais, là, comme dans les télétons. Combien d'argent on a récupéré aujourd'hui de tout le combien monde? Combien d'argent on a donné dans le casino et combien d'argent il est ressorti, mettons? Ils sont mais, capables de faire ouais. des prix de genre, 10 millions là, il ferait comme spot, genre c'est quand, là, là. 9! 8! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! Là, c'est « wow! » Tout ça! Ouais. Là, c'est pour les enfants, ça, mais non, pas pendant. Mais non, ouais, enfants, ouais, mais non, ouais, ramasse pas ouais, ça, ramasse pas ça. C'est pour un fonds quelconque qu'on peut pas vraiment t'expliquer maintenant, c'est un peu compliqué, c'est une affaire de REUS, c'est l'IREO. C'est une affaire de, comme de subvention pour les entreprises, mais pas vraiment, puis en tout cas, c'était une femme, mais on sait pas. Nasdaq est en baisse, hein? Dans le casino, il y avait la zone d'enfer. Ah, je pensais dire la zone d'enfant, puis j'étais comme ça, non. Ça on leur donne machines. Des faux 25 cents, ils jouent dans des fausses machines, mais ils vivent des vraies si émotions. Hey, si tu gagnes 3 cailloux, tu gagnes 2 suçons! Il y avait ils sortent de là sur le gun, c'est un fudge. La zone d'enfer. Puis là, j'étais comme, c'est quoi la zone d'enfer? Là, je suis allé voir. Le concept de la zone d'enfer, c'est le plafond est très bas. OK? Le tapis pue. OK, ça date, ça suit en tout cas. Oui, oui, oui. Le monde, on l'a déprimé. C'est des vieilles machines. C'est ça. C'est la zone d'enfer. C'était l'enfer. Mais voyons donc. C'est bien weird. Oh oui. Je déteste pas le marketing. Au moins, ils sont ça. Straight. Je au trouve moins... que c'est... Ils vont parler de nostalgie. Moi, je m'ennuie du temps où les plafonds bas, tapis pu, vieille machine. C'était... En tout cas, that's it. Je vous recommande pas d'aller au casino, la gang. Moi non plus, j'haïs ça bien raide. Mm. Je trouve ça super angoissant comme endroit. Ah, j'ai comme ça, ça rime pas avec plaisir. Puis comme moi. On dirait, la solution, c'est pas d'en construire un autre plus beau, là. Y a-tu ça, ça à la table en ce moment? Ben oui, ils voulaient en faire un dans le centre-ville, même. Quoi? Ben oui, à un moment donné, là, j'avais des... Astique, ça. Tu sais, ça, c'est malin. Un autre casino. Voyons, Chris. Tout tombe en ruine. Les écoles sont pleines de champignons. Mais ouais. Nouveau casino, peut-être. Non, mais non, ça, c'est là, privé, ça on peut pas checker ça. Okay, c'est l'autre affaire, mais c'est public, mais en même temps, non, c'est pas ça. C'est ma tannée, là. Le casino bleu. Le casino ben bleu. On va repayer nos écoles ben avec ouais. ça. Une fois qu'ils ont gros affaire de même, finalement, il est où cet argent? On le sait pas, on manque tant d'argent. Il faut tant qu'ils nous montrent tout. Ben ils ont plus d'argent, ils peuvent pas nous aider, là. Il y a moins jamais. De services, mais ils peuvent pas nous aider. On s'excuse, on, vos jamais, enfants, on jamais. Peut pas rien faire. On peut pas. Les écoles, on peut pas. Personne, on peut pas. Mais... Il est où l'argent? On pouvait pas prévoir que les toits à Plaza Saint-Hubert étaient laids puis mal dessinés. On peut pas savoir. On pouvait pas le savoir. On est des génies, mais on pouvait pas le savoir. On peut pas, on peut jamais le savoir. On n'a pas, pas l'argent pour savoir. On peut pas. Non, la neige, c'est compliqué. Très dur. Ouais. Ouais, c'est bientôt fini, hein? Oui. La neige, la vie, le monde? Non. Ben, tout, là, honnêtement. Oh. Mais surtout l'épisode, là. Mais... Non, mais je sais pas. Moi, en tout cas, moi, je vis en ce moment comme s'il restait 2 ans, puis ça me fait bien. Bon, fait qu'on peut fumer en dedans. Tu vis... Ouais! Bon! Ouais! Bon! Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais! Mais il est pas d'étiquette, là, ce temps passé. À un moment donné, là... Il reste pas juste 2 ans. On le sait pas. Il reste 20 ans misérable, mais il reste pas juste 2 ans. Ben, 2 ans de fun, après ça, c'est comment? Tu sais, moi, tu vois, je suis optimiste. T'es optimiste, t'es à l'hôpital aussi. Fait que je sais pas, là. Ouais, c'est vrai, t'es plus... Ouais, ouais, c'est ça. J'étais plus optimiste que toi aujourd'hui, là. Ben ouais, c'est ça, là. C'est ça, là. Ouais, moi, j'étais sûr que j'étais vivant, là. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis vraiment content que tu sois venu nous rejoindre, par exemple. Ben, oui. Je m'y attendais pas, puis tu sais, tu serais retourné chez vous, je t'aurais compris, là, aussi, là. Je t'aurais pas fait de si bit GF. Ouais, mais j'avais le goût de venir. Non, mais je trouve ça le fun. Partager mon histoire. Ben, un peu d'espoir. Oui. Un peu d'espoir. Pour les gens. Dans cet hôtel de police. Oui. Oui. Puis, ben, c'est ça, je pense. C'est ça? Moi, ouais, je pense que c'est ce qui conclut l'épisode. Ah, allez sur Discord. Si jamais vous avez le goût. Ça, c'est une bonne c'est fin. C'est le fun.
Venez sur Discord. Ouais. On riait comme au début, je devrais faire des salutations comme ça devrait sonner comme ça en joke, mais comme c'est ça, on les a pareil. Non, venez sur Discord. Non, on te l'a pas dit aussi, mais dans l'autre épisode, il a fait semblant qu'il était tout au début, puis il a fait des pubs. T'as fait les pubs. Il a fait les pubs au premier épisode. Puis, ben, le monde n'a rien vu aller. Là. Non. Ben non, il fallait leur dire. Casquette, ben, ouais, j'avais une casquette party. Ben, une casquette. Oui, j'ai une casquette. Wow. Puis. C'est pas facile, man. C'est pas facile, les GF. C'est pas facile. Non, mais c'est vrai qu'on a réalisé que t'étais bon. En mimant tout ça, j'ai quasiment claqué une crise d'angoisse, dirais-tu le sais. Ah, tu vois, bon. It's rough times, mon chum. Tu vas être content de le voir, je pense. Ah ouais, OK. C'est un bel hommage. Okay. Ben, surtout avec le montage, peut-être. Ah ouais, OK. Ça va être fucking bon. Fait que, en tout cas, ben, merci tout le monde. Vous avez été trop fantastiques encore ce soir. GF qui, après, comme Jésus. Puis, on se met chaud! Hein? Ouais, ouais, non! Oh, ouais, on se met chaud! All right, hey, on se gèle la pina!